Je déclare la guerre. Je déclare la guerre. Je déclare la Bonjour papa. Tu es là, bonjour. Bonjour. Nous voulons aller au champ pour chercher un peu de manioc. Ok, ça va. Maman. Au revoir papa. Au revoir. J'arrive. Hein? Ok. Souviens-toi de passer par la maison de Mazoka pour récupérer l'argent que sa femme te doit. Souviens-toi qu'elle t'a demandé de passer aujourd'hui. Je vous rejoins plus tard. Oh. Au revoir. J'arrive. Oh. Nous allons d'abord où ton père disait. Et puis nous allons passer par là. Que disent les anciens par rapport aux morts mystérieuses qui s'abattent sur la population de ce royaume? Il n'y a aucune solution. Mais je crois qu'au moment opportun, nos ancêtres nous viendront en aide. Nos ancêtres doivent agir rapidement. Ou alors ils vont agir quand toutes personnes de ce royaume seront mortes. Mais qu'à notre Dieu ne plaise. Que faisais-tu à l'intérieur? Rien. Bien idée. J'espère que tout va bien. Tout ne va pas bien. Ogin. Sais-tu que Mazmoati nous a laissé il y a juste quelques minutes? Hey! Hey! Lâche! Hey! Non! Non, non! Qui a tué ce garçon? Maz et sa femme que j'ai vue au champ ce matin est mort. Hey! Hey! Le dieu du royaume de Boudou, où avez-vous tourné vos yeux? Pourquoi? Hey! Les dieux nous ont cherchés. Hey! Oh, la vallée! Oh, la vallée! Hey! Mmh.
Oh, oh. Marie, oh Dieu. Elle n'est même pas là. Je suis à Marie. On est normal, hein, comment? Rodo, combien de fois t'ai-je prévenu de te tenir loin de ce terrain? Combien de fois? Oh non, pourquoi tu me fais ça, moi? Hein? Pourquoi tu me fais ça? Hein? Ha! Mon père m'a donné ce terrain avant d'aller rejoindre ses ancêtres. Pourquoi? Odo, c'est moi l'aîné. Je détermine ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Écoute, Odo, tu pourrais prendre n'importe quel terrain, mais tu vois ce terrain. Tu vois ce terrain? Reste loin de ça. Odo, reste à distance de ce terrain. Quel terrain, non? Quel terrain? Oh non, je ne suis pas prêt à abandonner le terrain ici. Pas tant que je suis encore vie. Hein? Et moi, vous dites que nous avons un roi. Ah. Odo. Pas pendant ton vivant. Oui. Ce qui veut dire qu'il faudra traverser ton cadavre. Ok. Odo, je t'ai écouté. Je t'ai écouté. Je ne comprends même pas les tips. Il est toujours à vouloir venir chercher les problèmes où il n'y en a pas. Est-ce parce qu'il est mon ami? Regarde. Je suis prêt à me battre pour cette course. Avec la dernière goutte de sang de mon corps. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit? Vous avez dit? Vous avez dit? Vous de cette femme? Mais bien sûr, j'ai vu tout comme toi. Je suis impatient de poser ma main. Je n'ai jamais touché ce genre de choses. Hey! On dirait qu'elle n'est pas sortie des entrailles d'une femme. C'est Dieu lui-même qui l'a moulée. Dieu lui-même était en action. Aïe! Mais je t'assure, tu vas me donner un des agnames là. Il faut me donner un. Attends que c'est toi qui m'aide. Mon frère, comment tu parles comme ça? Il n'y a pas de problème, mais en retour, tu dois me donner ce que je t'ai demandé là. D'accord? Donc, on va réfléchir à un plan. Tu entends, non? Non, je propose qu'on fasse ça. Moi, Kadjo! Moi, Kadi! Allo-si. Igwe. Allo-si. Allo-si, non, ouais. Au bout de mon âge, tu n'as pas. Igwe, allume. À combien on est volé de Yono? Igwe, c'est moi. Igwe. Igwe, merci beaucoup pour ce jour. Igwe, vous avez rempli mon ventre
avec votre vin de palme là. Igwe, que vos jours soient longs, plus longs que pour toujours. Alors, Igwe, que sais-tu de cette bête qui terrorise tout le monde dans ce royaume? Igwe, c'est innocent. Innocent. Igwe, je ne connais pas cette bête. Cette bête ne me connaît pas. Igwe, ce n'est pas le problème actuellement. Alors, quel est le problème? Igwe, le problème, c'est votre réputation. Attention. Igwe, ce royaume, ce trône, le trône du royaume Odugo, est le problème. Igwe, si les choses ne sont pas arrangées rapidement, ce trône aura beaucoup de problèmes. Je vous assure. Le problème d'Ango Kwasa, ce trône. Voilà. Alors, Olosi, peux-tu me dire quelle est la solution pour ce problème? Parce que, vu comme sont les choses, ce royaume est sur la voie de la destruction si quelque chose n'est pas fait pour le sauver. Igwe soldé. J'ai dit sauver. Sauver. Oh, Igwe sauver. Igwe sauver. Igwe. En fait, vous faites semblant Igwe, ne faites pas semblant de ne pas comprendre de quoi je parle. Igwe, merci beaucoup pour votre hospitalité. Igwe, je dois m'en aller maintenant. Mais Igwe, ne dites pas que je ne vous ai pas averti. Je vous avertis. Je dois m'en aller maintenant. Igwe, vous êtes mon... Igwe, reposez-vous en paix. Oh. Igwe, désolé. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui vous parle. Je suis désolé. Igwe, Oberin Johanna. Je dois m'en aller maintenant, Igwe. Igwe, je suis venu avec ça et je dois repartir avec. Igwe, la maison est en train de m'appeler. Permettez-moi d'aller occuper le chemin. Igwe, vous gardez ici. Owa Kro Tuhomeu Komekadi. Igwe, chef, Tomokuho Ehadi. Igwe, changez vos gardes. Vous avez besoin de gars vraiment robustes. Ça, ce sont des jouets. Ok, je t'employerai. Igwe, si vous m'employez, je vous protégerai pendant longtemps. Personne ne vous approchera à cause de moi. Ya mere nwanne jiri lozo nwanne ya. Ewo arukwa nwa na-eme. Obi mmadụ ajaka. Ihe ọjọ ahụ ka ị na-eme nwanne gị. Eme gị ya tule ma ọ ga-adị gị mma. Asim gimi ya chimalo maka no ugwa jomume na anyi ajaro ya ineme mbu ugwa ria gabia obumma asim igebulikwa obumma biko mi ya chimalo. Tonton Ono. Ndeya. Comment vas-tu? Je vais bien. Mon père m'a demandé de lui acheter le tabac. Mon frère est-il à la maison? Il est allé au champ. Il m'avait déjà laissé la commission avant d'aller au champ ce matin. S'il revient, dis-lui, je voudrais le voir immédiatement. N'oublie pas. Hey, tonton Bano. N'oublie pas. Oh. Bano. Ça, c'est bien. À la prochaine. Bye bye, tonton. Hey! Oh, Junya. Igwe ne memuwa, nemu Igwe, Igwe ne memuwa. J'aime
mon vin de palme. J'aime boire mon vin qui est dans ma cruche. Je vais boire jusqu'à ma mort. Tu me frappes, je te frappe. Tu te maries, je me marie. Ah, Ono, pourquoi me regardes-tu? Ta façon de regarder là, c'est comme si tu es perdu. J'entends ta voix, Okoma. Même les coqs se mettent à pleurer parce que tu es méchant. Ono, laisse-moi te dire, viens, où est ton frère, Udo? Ono, arrête de regarder devant derrière, c'est à toi que je m'adresse, je te connais. Où est ton frère? Ono, à toi. Malice, suis-je le gardien de mon frère? Merci beaucoup, j'aime beaucoup ta question là. Ono, voici la réponse à cette question. Je n'ai pas dit que tu es le gardien de ton frère. Tu comprends? Ono, laisse-moi te dire quelque chose. Ce sont les gens comme toi, aussi méchants que tu l'es, qui ne font que causer des calamités dans ce noble royaume. Oui. Ono, tu ne veux rien dire. Ok. Laisse-moi te poser cette question. En fait, les gens t'appellent Ono. Moi, je t'appelle Ono. Parce que tout ce qui te concerne est Ono. Laisse-moi te poser cette question une fois de plus en tant qu'une bonne personne que je suis. Ono, où est ton frère Odo? Allô, c'est. Je ne voudrais plus jamais te voir autour de moi. Plus jamais. Et puis écoute, ne me pose pas de stupides questions. Sinon, je te donnerai des stupides réponses. N'importe quoi. M'as-tu entendu? Oh no. Regarde comment tu parles avec tous les muscles dans ta bouche. Tu parles avec beaucoup de force. Laisse-moi te demander quelque chose. Es-tu en train de me dire, es-tu le Igwe de ce grand royaume au point où tu m'as vêtu déjà? Moi, je t'ai dit, Ono, si tu veux, tu m'écoutes. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Regarde, Ono, tu es très gourmand. Oui, Ono, tu es très gourmand. Regarde le gabarit de la femme que tu as épousée. Tu es tellement gourmand que regarde là. Son devant et derrière, pompé partout. Ce qu'elle a derrière elle, bien pompé. Gongoro, tout est congruisé chez elle. Ono, tu es très gourmand. Regarde ton visage. Un visage à Kuracha. Je bois Ono Gugi. Espèce de gros bébé. Un bébé qui a vite grandi. Regarde-toi. 17 hommes en 1. Calmez-vous. Je dis que calmez-vous. Wagne. Doucement. Hey, Ono. Ono. Tu es venu de si loin. Qu'est-ce qu'elle fait? Et tu l'as pris. Maintenant, Dieu le voit. Doucement, vas-y doucement. Coulez-le. Coulez-le. Calmez-vous. Doucement. Wayoli. Hey! Calmez-vous d'abord. On se calme. Ha! Aou! Aou! Hey! Oh non. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce que j'entends là? Hey! Oh quoi? Oh non! Ton frère Odo est mort. Hey! Il est mort cet après-midi. Hey! Mon frère! Oui! Ce n'est pas possible. Odo! Est mort! Calme-toi! Sois juste un homme. Je comprends ce que tu ressens, mais sois un homme, s'il te plaît. Hey! Oh non, je t'en prie. Hey! Sois fort, je t'en prie. Laisse-moi vous dire. Attends, si tu veux conseiller quelqu'un, va chercher quelqu'un de raisonnable à qui tu donneras tes conseils. Surtout ne conseille pas cet homme. Tu sais ce qui me fait mal. Ce qui me fait vraiment mal, c'est que. La méchanceté. La méchanceté nous a arraché tous les innocents de ce royaume. Oui! Laisse-moi dire. Attends! Au-dessus, c'est quand tu m'entends. Odo, comment? Même étant mort, tu es toujours beau. Hey! Odo, regarde ton nom, Marie-Chan-Wan. Une belle femme. On l'a qui m'a qui pour moi. Odo, tu partais en laissant ta femme avec qui? Là, tu laisses ma femme. Calme-toi. Calme-toi. Elle s'en est pas. Obe Mourouan. Non. Elle s'en est data. Odo, le voir. Non. Elle s'en est. Suceur. Non. Et vous? Je sais que tu.
écoute, que tu écoutes ce que je dis présentement. Lata, elle va venger ta mort. Wariyoma, vas-y. En fait, bonne chance. Bonne chance à toi. J'ai demandé qui appelait ce soula ici. Dans ma concession. Vous voyez. Sans foutre. Nebe. Sans foutre. Écoute comment ton nom résonne, Nebe. Écoute, la façon dont ton nom la résonne, tu es supposé seulement aller au funérail. Ne te rends jamais là où il y a la fête. À cause de Kaye Nebe. Nebe. Tu me traites d'ivrogne sans problème. Un ivrogne est mieux qu'un suceur. Tu es un vampire. Tu es un buveur. Tu es un buveur de sang. Laissez-moi vous dire, un jour, le vent là finira par souffler. Le vent là va tellement souffler fort point que le derrière du poulet, va t'en dessus. Celui de la poule, prendra la place. Sors de ma concession. Oh non, je n'ai pas peur. Tu l'as la peine, pas t'en dessus. Oh non, mais Comment tu peux me laisser seul, Toto? Je suis maintenant veuve, qui n'a personne pour la consoler. Nkem, je suis là pour toi. Et je serai toujours là pour toi. Tu as mon épaule pour te reposer. Qui est-il? Arrête de pleurer, quelqu'un, arrête de pleurer. Hey, où est même le moine? Hey, Kevin, arrête de crier. Ojoma, mon ami, si tu te sois forte, essuie tes larmes. Aucune de tes larmes ne te ramènera ton père. Princesse, laisse-moi pleurer. Mon père est mort et je ne le reverrai plus jamais. Hey, ma princesse. Mon papa est mort et je ne le reverrai plus jamais. Ma princesse. Non, s'il te plaît, maman, ne le fais pas. Tu es ma mère. Ma princesse, tu es la princesse de ce grand royaume. Et tu mérites d'être respectée. Maman, s'il te plaît, je suis ta fille. Traite-moi de cette manière. Ah, princesse, tu as un bon cœur. Et tu es très sage. Maman, il faut que je me mette en chemin maintenant. Laisse-moi te cuisiner quelque chose pour que tu puisses manger. Non, maman, merci. Au du moins, je m'en vais. Merci beaucoup, ma princesse. Puisse les dieux te garder et te protéger tout au long de ta vie. C'est... Prends soin de maman, toi, je m'en vais. Oui, je l'ai fait. Oracle des dieux. Que se passe-t-il? Pourquoi nous ont-ils abandonnés à notre foi? Igwe. Les nuages deviennent plus sombres tous les jours. Est-ce que cela voudrait dire que nous devons chercher des faveurs venant d'autres dieux? Soyez patient, Igwe. La patience et la persévérance seront votre plus grande difficulté. Comment peux-tu me parler de patience? Jusqu'à quand devons-nous encore être patients? Le royaume est sur le point de s'effondrer, de s'éteindre. Et tu es en train de parler de patience. Écoute, vaut mieux que tu parles aux dieux. C'est possible, leur crier dessus. Maman, s'il te plaît, ne commence pas.
avance pas, s'il te plaît, maman. Calme-toi, viens, 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 allons à l'intérieur, maman, viens. Maman, allons à l'intérieur. Princesse du royaume de Dougou. Mais reine du royaume de Dougou. Princesse, le royaume n'est plus assez sécurisé. Je te supplie par l'amour des dieux et de nos ancêtres de rester au palais. Mère, rien ne va m'arriver. Une innocente comme moi, je vais juste rendre visite à mon ami Odou. J'ai seulement peur de la bête. Je prendrai soin de moi. Et je serai très bientôt de retour. S'il te plaît, ma princesse, fais attention. D'accord, mère. Je salue le grand lion du royaume de Kudu. Bonjour, mon prince. Père, tu m'as fait appeler? Oui, je l'ai fait. Je suis sûr que tu es au courant des problèmes auquel fait face le royaume depuis un certain temps. Tout ce que je veux, c'est de faire attention à tout danger. Souviens-toi que tu es l'héritier au trône et mon unique fils. Alors les coutumes doivent suivre le vent. Une autre parole, la précaution doit être ta compagne de tous les temps. Oui, tu père. Comprends? Père, je le serai. Ok, tu peux partir. Igueriti, va chez Itindaka et tu lui dis que je voudrais qu'il vienne immédiatement. Oui, votre majesté. Surtout par les temps par lesquels nous passons.
dans ce royaume. Et s'il faille éviter ces catastrophes qui sont programmées, alors nous avons besoin de rester unis comme les branches d'un arbre. Nous nous restons inséparables. Alors comme je dis, nous aurons besoin de services de chef prêtre pour une meilleure vérification de ce problème. Mais en fait, ce n'est pas pour cela que je vous ai appelé. Je vous ai invité comme ça nous pourrions avoir un tête-à-tête et des clauses pour voir comment faire avancer ce royaume. Vous voyez, vous êtes des membres du conseil. Nkem. Mes yeux, hey, mes pieds, ah, hey, ah, maman, mes pieds, mes yeux, maman, ah, maman, ah, hey, maman, qu'est-ce qu'il y a, hey, ah, bon. Maman, hein, où tu mes yeux, maman, mes yeux, maman, qu'est-ce qui s'est passé, quelque chose est entré dans mes yeux, souffle. Bien joué. Tu peux maintenant me voir? Non. Je ne sais pas ce qui est entré dans mes yeux. Je ne peux pas voir. Maman. Oudjo. Maman. Maman, je suis là. Oudjo, je ne vois pas. Hey. Hey, mes pieds. Oudjo. Désolée. Oudjo. Hein? Maman, je suis là. Oudjo. Désolée. Oudjo. Désolée, maman. Mes yeux. Désolée. Ma vie est partie. Oh. Désolée, maman. Mes pieds. Désolée. Désolée. Mes pieds. Hey! Désolée, maman. Ojoa, maman, es-tu sûre que je sortirai vivante de cette maladie? Maman, tu vas survivre. Les dieux de nos ancêtres veillent sur toi. Je ne pense pas. Où était-il quand les bêtes ont dévoré mon mari? Où était-il quand j'ai été frappée de cette maladie? Maman, rien ne va t'arriver. Tu
tu vivras. Tu vivras pour moi. D'accord? Désolée. Désolée. Et vous? Et vous? Maman, désolée. Désolée, maman. Laisse-moi m'occuper de ça. Comment vas-tu, ma fille? Je vais bien. Et comment va ta mère? Sa situation s'empire chaque jour. Ça signifie quoi tout ceci? Ok. Je viendrai demain lui rendre visite. Ok. Ah, femme. Etienne. Même devant ce problème auquel nous faisons face. Hein? Etienne, les dieux nous ont abandonnés notre propre sort. Bien, mon frère. Ce royaume est au bord de l'effondrement. Première chose demain matin, j'amène ma famille dans mon village maternel. Mordor. Ah, ah. Ocha. Ah, pas moi. Etienne. Nous serons toujours vivants jusqu'à toutes ces calamités s'arrêtent. Apam, ne me dis pas que tu es l'une de ces personnes qui prend fuite face aux catastrophes. Tu sais, les morts ne se battent pas aux eaux. Les morts ne se battent pas. Ah, noble homme. Homme de Edoupo, je vous salue. Ah, arrosé. Arrosé. Oui. J'ai vu monsieur Oron. Partout là. Je l'ai vu, il est parti maintenant. On sait, tu seras le prochain à mourir. Ah, ah. Que le tonnerre te frappe. Apama, j'ai dit le tonnerre sans interruption. La foudre en vrai alors que ça te frappe. J'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi parce que tu n'es qu'un cadavre ambulant. Allons-y. Apam, Ada. Ada, calme-toi. Ada, car tu es une très bonne personne. Nous. Nos dieux le savent. Que la bonté et la miséricorde soient toujours tes compagnons. Jusqu'au jour que tu changeras. Tu vois cet idiot qui est assis là. Tu froisses ton visage parce qu'il te traite d'idiot. Ok, laisse-moi te traiter d'animal. Tu vois cet hippopotame qui est assis là. L'hippopotame est un gros animal comparé à ton gabarit. Mais j'ai comme ça. Je vois une pluie de larmes dans ta famille. C'est toi et ta famille qui seras soumis à une pluie de larmes. Regarde-toi, tu ne réfléchis même pas. Tu ne réfléchis pas parce que si c'était le cas, tu allais. Adaka, ne fais pas attention à cet idiot. Les gens mangent et prennent du poids. Regarde-toi, Adaka, tu manges et tu prends du poids. Le connasse, il mange et maigrit plutôt. C'est pas le on, ça. Laisse-moi, je dois vous laisser maintenant là. Parce que on arrive déjà. Adaka, il faut l'arrêter, je vais le battre. Adaka, ne le supplie pas. Tu vois comme il parle là. Il parle rapidement. Sa bouche n'a pas de frein. Il ne sait même pas comment agencer ces mots correctement. Il parle comme Agracha. Oui, je ne vais pas. Laisse-moi juste me taire parce que je ne vais pas parler. Parce qu'en venant là, j'ai vu M. An. Monsieur An vient vous rendre visite. C'est toi que monsieur va rendre visite. C'est à prendre au sérieux. Tu joues au bon. Laisse-moi te dire, tes égaux. En fait, les sorciers comme toi jouent le bon dans leur tombe. Va jouer le hautbois avec eux là-bas, parce que tu mourras bientôt. Si je ne bois pas de ça, va te parler. À tes funérailles, appelle-moi Naba. Et si je m'en bats, ce jour sur ta tombe. On te rendra bientôt visite. J'ai pitié de ta famille. Ils te pleureront. Laisse-moi voir. Je t'ai dit que tu vas mourir. Tu ne t'occupes pas de ce jour-là, ton arbre d'amour. À tes funérailles. Assieds-toi. Laisse-le. Prends place. Assieds-toi.
Sera pour Koso, Kaigo Rapanose. Laisse-le tranquille. Hein? J'ai laissé la marmite de soupe au feu. Et tu sais que ma femme et mes enfants sont allés au champ. Je ne veux pas que la sauce tarisse. Donc, on va se voir plus tard. Je vais juste surveiller ma marmite de sauce au feu. Je ne veux pas que... Ok, pas de problème. Attends. Je reviens, hein. Je reviens, attends-moi. S'il te plaît. Attends, j'ai oublié ma marmite de sauce au feu. Attends, ma marmite de sauce. J'espère que tu ne fais pas encore sur une forme. Tu peux pas te mettre à courir comme ça pour ta marmite de soupe. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tonton, ma mère est en train de mourir. Ta mère est mourante. Oui, tonton. Amène la chaise de toi, par ici. Tonton, c'est là le problème. Il aurait déjà amené depuis, mais on n'a même pas d'argent. Tu n'as pas d'argent? Oui, tonton. Et que voudrais-tu que je fasse? Tonton, s'il te plaît. S'il te plaît, tonton. Je l'ai pour moi, pour ma mère, pour moi, pour ton frère. S'il te plaît, tonton. Donne le peu que tu as, même si c'est petit, tonton, s'il te plaît. On a besoin de ton aide. Tonton. Mon frère. Tu parles de ton défunt père. Oui, tonton. Comme tu l'as dit. Ton défunt père, mon frère, n'est plus de ce monde. Il est mort. En voilà. Et je n'ai pas d'argent. En fait, moi-même, je cherche de l'argent pour m'acheter de quoi manger ce matin. Bah, s'il te plaît, tonton. Ujumwa. Oui, tonton. Ujumwa. Oui, tonton. Hein? Souhaite bonne guérison de... Ma part à ta mère. Tonton, s'il te plaît, Jean du roi, mais tout quoi? Vous n'allez pas me tuer. C'est quoi ton problème? Laisse mon fils tranquille. Laisse mon fils tranquille. C'est quoi ton problème? Maman, laisse-moi. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Approche. Tu veux le tuer parce que tu n'as pas refusé de donner de l'argent au Dieu. Approche, va te tuer. Je vais te tuer ton frère. Oui. Parce que ton père a refusé de donner de l'argent. Oui. Maman, c'est à moi que tu poses cette question. Il a l'argent. Oui. On parle à l'argent. Hey. Il a l'argent. Pourquoi il refuse de donner ça au Jou? Hein? Hey. Et tu peux donner l'argent au Jou, Paul. Royaume du Koué. Hey, wow. Où mec en Guam? Où mec en Guam? Oh Dieu. Oui, maman. Je... Arrête de pleurer. Ben, moi, comme haut. Arrête de pleurer. Sois forte, s'il te plaît. Maman, pourquoi tonton Noho est aussi méchant et sensé? Sois forte. Ainsi est faite la vie. Maman, tu veux manger quoi? Je vais bien.
Maman, je sais que tu ne vas pas bien. Je sais que tu ne vas pas bien. Hey. Je sais. J'ai dit que j'allais bien. Hein? Biko, arrête de pleurer. Ça me brise le cœur. S'il te plaît. D'accord, maman. Je ne vais plus pleurer. Hmm? S'il te plaît. Je ne pleure plus. Arusi, Arusi. Ah, Oko. Ewa ne mwewu o, inwe. Ewa ne nemu o, inwe. Écoute, Arusi, notre Dieu t'a béni. Abondamment et équitablement. Tu es béni, tu es comblé. Dieu t'a béni. Sans réserve. Oh non, ta façon de marcher là comme un masque pour venir passer là où je bois. Ton problème c'est quoi? Oh non, tu me dévisages, tu me regardes, mais tu ne parles pas. Tu me regardes comme un crétin. Oh non, laisse-moi te dire, laisse-moi te donner un avertissement. Pas un conseil, un avertissement. Oh non, retire le bras du singe de la mamie de sauce. Que ce soit une sauce froide ou chaude, oh non, retire ce bras avant qu'il devienne un bras humain. Tu me comprends. Je t'avertis, oh non, tu me regardes comme un crétin. Tu pars, tu t'en fous. Les gens qui vont creuser ta tombe, ce garçon-là, j'ai pitié d'eux. Igwe devra leur donner beaucoup de foufou pour manger et avoir la force pour creuser ton tombeau là. On va faire une tombe de 6 de 6 mètres, oh no. Creuse ta tombe avant de mourir, oh no. Creuse ta tombe et tu gardes ça. Comme ça, quand tu meurs, on t'entend une fois. Ne fais pas souffrir les enfants des gens inutilement. Oh no, tu penses que tu es le plus grand menteur. Ah ouais. Amaka. Ma. As-tu fini avec ce que tu fais? Non, ma. Ok. Quand tu vas finir, dépose ça à la cuisine. Je vais au champ derrière la maison pour cueillir du piment. J'aimerais vraiment utiliser mes mains pour préparer cette spéciale sauce pour mon mari. Mokana Chomka Nagiri au fait Girigius. À Kanoa, des cumulmios. Quand tu finis, garde ça dans la cuisine, hein? Ok, ma. Amaka, si tu veux, écoute-moi. Si tu veux, ne m'écoute pas. Mais laisse-moi te dire, quand je rentrais, j'ai vu papa dans la maison de Maduka. Il a demandé que je te dise d'aller dire à Iti et Tata que tu dois partir dans la palmeraie du défunt Madozo pour couper les noix de palme. Je vois. Si tu veux, vois. Si tu veux, ne vois rien. Il a aussi dit que tu devrais surveiller cela. Tu es fou. Amaka, moi, fou. Oui, j'ai dit que tu es fou. Hein? Tchaï. Tu es fou.
Pegoncha. Maman, c'est moi. Maman, comment ça va? Et c'est Bouka. Oui, maman. Oh. Mon ciel s'est obscurci. Comment vont tes parents? Ils vont bien, maman. Okay. Je suis désolé pour ta condition. Oh. Abanejo. Maman. Donne-moi ta main. Encore toi, Ono. Sois comme la brèche entre la lumière et la ténèbre. Oh. Cet homme est vraiment maléfique. Biko. Je sais que tonton Ono est très méchant. Et je vais aussi essayer d'être très prudente. Évite surtout cet homme et sa folie, s'il te plaît. Maman, rien ne t'arrivera à toi ou à Ojo. Oh? Je l'espère. Ojo, moi, ça fait mal. Oh. Il y en a encore. Tu pourras aller chercher le reste au champ. D'accord. Amaka, quel est le problème? Hein? Pourquoi tu l'es horrible? Maman, pourquoi papa est si mauvais et si méchant envers son propre sang? Pourquoi? Ah ah, méchant, qu'y a-t-il? Je reviens juste à peine de chez mon oncle. J'ai appris que papa a saisi la parcelle de terrain qui leur revenait de bois. Et c'est pas tout. Il est allé cueillir toutes leurs oranges. Maman, c'est juste. Dis-moi, c'est juste. Bien, Amaka, voilà pourquoi tu es troublée. Voilà pourquoi tu te fâches pour rien. Mais ton père, le grand Ono de ce royaume, a le droit sur les propriétés de son frère. Depuis qu'il n'a pas de fils. Maman, c'est pas juste. Maman, c'est pas juste. L'économie. Cette tradition est une aberration. Aïe. Maman, écoute. Il n'a rien fait pour avoir sa possession. Tout ceci. Cette soi-disant tradition doit s'arrêter. Tonchon et Ali, pardon. Ne parle pas comme ça contre les dieux. Oui. Les dieux vont te punir de mort. Oui. Pardon. Écoute, Amaka. Dis-moi un peu. Pourquoi t'intéresses-tu tant aux décisions de notre père? Hmm? Ou alors tu veux changer les traditions que nos deux grands pères ont laissées. Il y a de quoi la même chose. Bien sûr, non? Et écoute, laisse-moi te dire, si tu n'as rien à dire d'important ici, tu feras mieux d'aller à l'intérieur et chercher quelque chose pour t'occuper. Moi, moi, non, non. Oui. Même toi. La fille de ton faux oncle Ojoa et sa mère sont en train de souffrir. Et tu es là, tu me parles de la tradition. Et alors? Amaka, et puis quoi? Moi bien quoi? Donc pour toi, on doit abandonner notre tradition à cause de deux personnes. Akama de bro. Oh bien. Je regrette le fait que tu sois mon frère. Hein? En fait, tu es insensé. Ah, tu l'as écouté? Ah ben non. Maman, tu l'as écouté? Moi, moi. Amaka, laisse-moi te dire. Ceci est insensé. Toi, tu es stupide. Quoi? Oui, tu es stupide, Amaka. Moi? Oh bien quoi? Ta grande soeur est stupide. Amaka, je confirme que tu es stupide. Moi, quoi? Oui. Ma princesse,
pourquoi tu as arrêté de venir me voir au palais? Ma princesse, je me sens rejetée, excluse de tous. Ojo, mon ami, peut-être tu es rejetée par tous, mais non pas moi, jamais. Très bientôt, tout ceci va prendre fin. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter un traitement aussi méchant de la part de tout le monde. Je ne sais pas. Tout ira bien. Je m'en vais. Je te verrai plus tard. Maman, Amaka est là. Bonsoir, maman. Maman, Amaka est là. Maman. Hey! Hey, mama! 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 Hey! Hey! Chineke! Hey! Mama! Amaka, qu'est-ce qu'il y a? Tu es maintenant heureux. Tu as finalement réussi. Tu es heureux maintenant, papa. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à moi que tu poses la question. La femme de ton frère est morte. Hein? Mm-hmm. Elle est morte. Mm-hmm. Tu es celui qui l'a tué? Le suis-je? Pourquoi tu as refusé? Pourquoi tu as refusé de l'aider? Pourquoi tu as refusé? Elle a perdu quelqu'un. Maman Ikem, la mère de Dieu est morte. Attends, quelle Ikem? La mère de Dieu, elle est morte. C'est quoi ça? Ça fait pitié. Arrête de pleurer. Maman!
Assez, Odo. Assez. Biko, assez. Où vas-tu? Maman, je suis en train d'aller à la rivière. Il n'y a plus de l'eau et puis j'ai envie d'aller en puiser un peu. Hey, Mba, laisse tomber, hein? Tu ne vas pas encore très bien. Maman. Non, s'il te plaît, je voudrais que tu te reposes. Là, tu pourras... Non. Va te reposer. Là, tu iras mieux rapidement, hein? Mais maman, regarde-moi, je vais bien. J'irai puiser de l'eau. Oh! J'irai puiser de l'eau. Oh! Ah. S'il te plaît, la dernière fois que tu l'as vue, c'était quand? J'étais avec elle hier. Hier? Oui. Non, mais... Elle est quand? Tu sais, Ojo est ma soeur. Elle a plus besoin de toi en ce moment, plus que jamais. Je sais. Tu le sais? Je sais, je la verrai plus tard. Tu me promets que tu iras la voir? Voyons, je la verrai plus tard. Je vais devoir rentrer maintenant, avant que mon père me trouve ici et qu'il ne me coupe la tête. Tu sais qui il est, non? C'est le Honor. S'il te plaît. Et donne-moi de ses nouvelles au plus tôt possible, s'il te plaît. Si la joie existe, je ne la connais pas. Et la peine a avalé mon bonheur et ma joie. Et la vie est maintenant remplie de peine. Mon ami, la vie est faite des hauts et des bas. Tu ne dois pas te tuer. Oui, tu ne dois pas te tuer. Sois forte. Sois forte. Comme tes parents l'étaient. Ce monde est rempli de méchanceté. Mal, as-tu dit? Il n'y a plus que des mots. Mais ce que nous devons, c'est faire preuve de gentillesse les uns envers les autres. C'est tout ce que nous pouvons faire à ce sujet. C'est ça le problème. La gentillesse n'est pas quelque chose de très facile à démontrer. Maman. Maman. Pourquoi? Thank you.
C'est quoi, non? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pardonne-moi, c'est quoi? Tu vas bien? Hein? Est-ce que tu vas bien? Hey. Oh Dieu. Mais voyons, tu peux pas continuer comme ça. Tu es en train de te tuer. Ebuka, tu t'attends à quoi de la part d'une orpheline? À quoi? Mon souhait, c'est que je meure tout simplement et que j'en finisse avec tout ça. Non, Odio, non. Tu veux mourir et me laisser derrière? Mais voyons, Odio, la chose la plus importante ici maintenant, c'est que je t'aime. Ok? L'amour est la chose la plus grande. L'amour est plus grande que toutes les difficultés par lesquelles tu passes maintenant. Oh Dieu, avec l'amour, nous deux, nous pouvons nous apaiser de nos fardeaux. S'il te plaît. Je crois que mon oncle a tué ma mère. Hein? Oh Dieu, ne dis pas de telles choses. Pourquoi ne devrais-je pas? Est-ce que tu sais que depuis que ma mère est morte, mon oncle n'est pas passé une seule fois pour me donner ses condoléances? Pourquoi ne devrais-je pas? Dis-moi. Tout porte à croire qu'il est responsable de la mort de ma mère. Ah, c'est pas bien venant de sa part. Vu combien elle a toujours été méchant, je commence à penser autrement. Mais Odio, il faut que tu sois forte pour moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok? Viens, Odio. Sois forte pour moi, ok? D'accord? S'il te plaît. Je suggère que nous vérifions si le grand Obakar de la communication avec ses mots est terminé. Votre Majesté, Ndichie, je suis d'accord avec la suggestion de Niebeze. Bien, je suis sûr que vous serez tous d'accord avec moi que je n'ai pas mal agi concernant ce problème. Voilà pourquoi j'ai fait appel aux trois hommes sages de l'Est. Et je suis sûr qu'ils seront bientôt ici. Igwe, votre parole est pleine de sagesse. Longue vie à vous, Igwe. En fait, d'abord, frappe sérieusement notre peuple. Et cela me concerne tellement. Je dors difficilement ces jours et je commence à développer des insomnies. Je ne peux pas rester assis là et regarder comment mon peuple est détruit jour pour jour. Igwe. Ce matin, trois de nos enfants ont été dévorés par cette monstrueuse bête. Ils causent de nombreuses conséquences. Tu imagines ça? Ce qui signifie que nous devons tous mettre nos mains ensemble et consulter les dieux de notre territoire. En tant qu'une mesure intérimaire, pendant que nous attendons l'arrivée des
hommes sages de l'Est qui viendront ici pour révéler le mystère derrière tout ce malheur. Nous devons vraiment y réfléchir. Igwe, vous avez raison. Devons le faire. Vous avez pas. Oui, bien sûr. Igwe. Bien sûr. La fille du royaume Odogu. Amaka. Salut. Bonsoir ma chérie. Comment vas-tu aujourd'hui? Je remercie le bon Dieu que je sois en vie et que je ne vais pas rejoindre mes ancêtres. Amaka. Pourquoi as-tu décidé de prendre ce risque? J'ai entendu que ton père Onowu t'a interdit de t'approcher de moi. Oui, il ne veut plus que je vienne auprès de toi. Mais il passera d'abord sur mon cadavre. Et tu le sais. Il va passer sur ton cadavre? Oui. Pourquoi est-ce que tu fais ça, non? Hein? Pourquoi? Chercherais-tu à exciter la colère de ton père? Ojuma, ceci est parce que tu es ma sœur. Écoute. Tu as besoin de moi en ce moment plus que jamais. Et je ne vais pas te tourner le dos juste à cause de la méchanceté de mon père. Non, ne te soucie pas de moi. Hey. Ma vie est en danger. Écoute, arrête de te lamenter. Tu n'es pas seule. Je suis avec toi. Hein? Amaka, ton père que je connais si bien fera tout son possible pour détruire notre complicité. Mon père, ne t'inquiète pas. Je sais qui est mon père, ok? Et je sais comment le gérer. J'espère seulement que tu sais ce que tu fais. Que tu sais ce que tu fais. Je sais exactement ce que je fais, Ojuma. Ok? Je suis prête à l'affronter. Ok? Je veux juste me rassurer que tout va bien pour toi. Alors, s'il te plaît. T'inquiète pas, s'il te plaît. Ok. Très bien. C'est bon, allons à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais de ça? Ne t'inquiète pas, allons-y, c'est tout. Ojuma. Ah, oh non, je te salue. Eh, Mazengere. Eh. Je venais justement comme ça chez toi. J'espère que tout va bien. Bien sûr. Hey! Mazaja. Hein? Mazaja. Hein? Hey! Mazaja.
Arrête de pleurer, arrête de pleurer. Notre royaume aura bientôt la paix. Arrête. Je sais pourquoi tu pleures. Ne t'en fais pas. Notre royaume aura bientôt la paix. Notre Dieu ne sommeille pas. Tu entends? Attends, arrête de pleurer. J'étais demandé d'arrêter, mais toi tu pleures quoi? Arrête de pleurer là-bas, non? Nos dieux, je vous salue, trois grandes déités. Je salue les trois déités de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Je vous salue comme ça, mes chères déités. Ha! Ils ne gèrent pas mes salutations. Homme de sagesse, je vous salue. Allez, qu'est-ce qui me rassure même que ces hommes ont la solution à notre problème? D'accord. Si c'est vous, c'est bon. Si c'est pas vous, ça fait rien. Je vais suivre avec mes cracas. Hein? Trois déités, je vous salue et vous refusez de répondre. Je récupère mes salutations. Je les remets dans ma poche. Quand vous serez prêt à les accepter, appelez-moi. Envoyez le message. Qu'on vienne me chercher pour que je vous donne. Igwe, que votre règne soit long. Le coupable sera pénalisé et l'innocent sera justifié. Si ce n'était à cause des poissons, la rivière aurait séché et s'évaporait dans la nature. Si ce n'était à cause de l'humanité, la nature elle-même serait repartie auprès du Créateur. Igwe, la solution que vous cherchez pour repousser la bête demeure au milieu de vous. La choisie est la seule choisie. Daka, raconte-leur l'histoire. Grand est le mystère du non-pêcheur. Il y a de cela quelques années, lorsque tes ancêtres vinrent sur ces terres, elles ont été battues dans toutes les guerres qui sont menées sur ces terres. Et ces terres furent presque prises par les guerriers d'Omoa l'Omoa. Seigneur Amadiora, nous sommes venus te remercier pour nous avoir donné une terre où coule une richesse abondante.
grand seigneur de notre royaume. Notre peuple continuera à te servir de génération en génération. Nous t'implorons de continuer à nous bénir. Et c'est... Tuez tous les hommes! Tuez-les, laissez les femmes en vie! Tuez tous les hommes meurent! Tuez-les! Tuez tous ces hommes! Tuez-les tous! Tuez-les sans exception! Tuez tous ces hommes! Tuez-les tous! Et ramenez les femmes en vie! Que tous les hommes meurent! Tuez-les tous! Et ramenez les femmes! Ramenez-nous leurs femmes! Ton puissant Madioha, notre royaume nous a été arraché. Nos frères ont été tués. Nous sommes venus demander ta protection. Je protégerai vos terres. Vous devez apporter 3 vierges. Tuez-les et sacrifiez-les. Aspergez le sang dans tout le territoire et j'accomplirai ma vengeance. Mais souvenez-vous, aucun autre sang venant des vôtres ne coulera sur ces terres pendant les générations à venir. Merci, Tout-Puissant. Et ils ont fait un pacte avec Madioha, celui de sacrifier 3 vierges en les enterrant vivantes. Madioha accepta, mais à condition que le sang d'aucun enfant de cette terre ne devra couler, même après. Voilà comment ils gagnèrent la guerre et reprirent cette terre. Après ce jour, aucun sang venant de ces enfants n'a été versé jusqu'à récemment. Quelqu'un a versé le sang d'une femme qui est née dans ce royaume. Tantinazeze. Ma fille, ou du moins, comment tu vas? Je vais bien, oh, Tantine. Je vais bien. Je me suis dit que tu auras faim. Parce que tu es venu au champ depuis le matin, alors j'ai fait ce repas pour toi. Eya, tu m'as apporté à manger. C'est très gentil à toi. C'est vraiment gentil de ta part. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein? Que notre Dieu te bénisse. Et c'est... Tu es la fille que je n'ai jamais eue. Et je ferai tout pour toi, pour te prouver combien je t'aime. Tantine, il n'y a pas de quoi. Mange la nourriture que je t'ai apportée. Il faut que je parte maintenant. Non, viens t'asseoir, qu'on puisse manger ensemble.
Viens, après je vais travailler et viens t'asseoir. Viens. Viens, non, tu sais que j'aime quand on mange ensemble. Oh, viens. Viens, on s'assoit ici. Je vous m'aime, mon adoré. Tantino. Hey. Hey, wow. Hey. Hey.
comme ça, ça peut bien être que... Ça, nous ne pouvons pas encore le dire. Mais sachez que personne ne peut stopper la bête, excepté l'élu qui est proche de nos cœurs. Je ne comprends pas. Proche de nos cœurs? Elle vit au milieu de vous. Est-elle de ce royaume? Nous reviendrons dans les 7 prochains jours du marché. Et la vérité sera révélée. Amsaj, merci d'être venu. Nous vous souhaitons un bon voyage. Nous reviendrons bientôt. Pingoué. Naï, tu as l'air inquiet. J'espère qu'il n'y a pas de problème. J'étais juste en train de repenser à ce qui s'est passé au palais aujourd'hui. Hey! Naï, tu dois prendre ça doucement. Oh. Hein? Parce que je ne suis pas prêt de te perdre maintenant. Oh. Et qui t'a dit que tu es en train de le perdre? Si je peux me permettre, que s'est-il passé au palais? Les dieux? On parle à nos sages. Owa de kwana minimios. Owa di minimios. Comment, Naï? Les 3 hommes sages venant de l'Est ont déterminé la cause de nos problèmes. Hein? Que veux-tu dire? Ça veut dire... Hey! Hey! Que les dieux soient loués. Et c'est... Grand frère, alors tu es assis là en pensant au Dieu. Hein? En quoi est-ce que ça te concerne? Oh, ça me concerne parce que tu es mon frère. Si tu n'as rien de mieux à faire, rentre là-bas à l'intérieur. Oudjou ne t'aime pas. Oudjou aime plutôt Ebuka. Écoute, cet Ebuka, je lui donnerai une leçon qu'il n'oubliera jamais dans ce village. Je te donne ma parole. Grand frère, je sais que tu ne peux rien. Je sais que tu ne peux rien faire. Rentre à l'intérieur. Ne te fâche pas pour moi. Ta nourriture est prête. Et s'est posé là sur la table. Reste là de tuer. Hein? J'arrive, idiote. Ha! Et Bouka, je lui donnerai le sang. Il ne peut pas m'arracher ma femme. Oh! Est-ce que Oudjou? Oui, maman, je suis là. Maman, comment ça va? Et c'est Bouka? Oui, maman. Oh, mon fils, je ne vais pas bien. Comment vont tes parents? Ils vont bien, maman. Okay. Je suis désolée pour ta condition. Ah ben, Oudjou. Oui, maman. Donne-moi ta main.
entre toi et Ono. Sois comme une brèche entre la lumière et les ténèbres. Oh, cet homme est vraiment maléfique. Biko. Oui, maman. Je sais que tonton Ono est très méchant. J'essaierai également d'être très prudente. Évite ses dents et sa folie, s'il te plaît. Maman, rien ne t'arrivera à toi ou à Ojo. Oh? Maman, je suis là. Hey. Ojo. Voyons, tu peux pas continuer comme ça. Tu es en train de te tuer. Ebuka, qu'attends-tu de la part d'une orpheline? Quoi? Je souhaite juste mourir et finir avec tout ça. Non, Ojo, non. Tu veux mourir et me laisser derrière? Mais voyons, Ojo, la chose la plus importante ici maintenant, c'est que je t'aime. Ok? L'amour est la chose la plus grande. L'amour est plus grande que toutes les difficultés par lesquelles tu passes maintenant. Oh Dieu, avec l'amour, nous deux, nous pouvons nous apaiser de nos fardeaux. S'il te plaît. Je crois que tonton Noah a tué ma mère. Hein? Oh Dieu, ne dis pas de telles choses. Pourquoi ne devrais-je pas? Est-ce que tu sais que depuis que ma mère est morte, mon oncle Nou n'est toujours pas passé pour dire sa part de condoléances? Pourquoi ne devrais-je pas? Dis-le-moi. Tout porte à croire qu'il est responsable de la mort de ma mère. Ah, c'est pas bien venant de sa part. Vu combien il a toujours été méchant, je commence à penser autrement. Mais Ojo, il faut que tu sois forte pour moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok? Viens, Ojo. Sois forte pour moi, ok? D'accord? S'il te plaît. Tu vois, je suis maintenant content que tu aies repris ta forme. Hein? Ah, tu vois, je suis content que tu aies tout mis derrière toi. C'est à moi de te remercier. De rien. Pour tous les encouragements et pour toute la force que tu m'as redonnée. Tonton No. Salut, tonton. Oudou-moi. Tonton. Nandé. Ebuka. Nandé. Je vois que tous les deux vous amusez. Regardez. Continuez de vous amuser. Bye, tonton. La musique n'a pas l'air. Toi, j'aime trop ton sourire.
Ojo, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures, non? Ils m'ont encore levé ma joie de vivre. Ils ont encore levé de moi ma joie de vivre. Qui? Oh, vas-y, dis-moi non. Le bouc est mort. Le dieu de mes ancêtres. Pourquoi est-ce que je dois subir tout ceci? Qu'ai-je fait de mal? C'est bon, Ojo. Écoute, je sais que c'est douloureux. Hein? Je le sais. Tu dois impérativement te ressaisir. Ressaisis-toi. Hein? Hein? La seule chose qui me reste à faire, c'est de mourir. La seule chose qui me reste à faire, c'est de me suicider. À quoi ça me sert de vivre encore? La seule chose qui me rend encore heureuse n'est plus là. La meilleure chose à vivre, ne parle plus ainsi. Je te jure, ne parle plus ainsi. Je le sais. Ne dis plus jamais cela. Les pleurs ne vont rien t'apporter de bon. Même si tu te tues, ça ne va rien t'apporter. Tu dois te ressaisir. Ressaisis-toi. Arrête de pleurer. Arrête. Arrête de pleurer. S'il te plaît, arrête. Ojo. Ojo. Tonton. Ojo, moi. Tonton, non. Oh, la femme. Qui est ton oncle? Tonton, je... Je dis la femme. Je suis venu t'informer que cette concession et tout ce qu'elle contient m'appartient désormais comme le seul fils encore en vie de cette famille. Entre-temps, j'ai appris que tu serais allé planter des fruits sur cette parcelle de terrain. Aujourd'hui, moi, je te préviens, je ne voudrais plus jamais, jamais, voir tes pieds nulle part aux alentours de ce terrain. M'as-tu entendu? Mais tonton, cette terre appartient à mon défunt père. Ah, oh. Tu me défies maintenant? Hein? Tu défies le Onowu? Regardez-moi ce petit rat. Tonton, avec tout le respect que je te dois, s'il te plaît, je ne suis pas un rat. Je t'en prie, ne m'insulte pas, s'il te plaît. Ojo, tu me reprends maintenant? Hein? Tu me reprends maintenant? Hein? Viens là! Qui te prend ça? Ojo, attends. Tonton, s'il te plaît. Si j'étais offensé d'une quelconque manière, si j'ai fait quelque chose de mauvais à ton égard, s'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît. Tantine, s'il te plaît, aide-moi à oublier Tonton, s'il te plaît. S'il te plaît, Tantine. Ojo. Cela ne fait aucune différence que tu sois venu. Dienti. Yen aimé. Omenala. J'applique tout simplement la tradition et la culture de notre royaume. C'est tout. Tonton, s'il te plaît. Dans ce cas, veux-tu donc que j'aille? Comment est-ce que tu veux que je subisse? S'il te plaît, tonton, je n'ai plus de mère. Je n'ai plus de père. Je suis toute seule dans ce monde. S'il te plaît, tonton. S'il te plaît, je t'en prie, tonton.
Ojungwa, crois-moi tous ces superflus sentiments. Tu es déjà adulte. Va te trouver un mari qui prendra soin de toi. Mouam, Owa di Minimios. Et pour Owa, Odi Minimios, la guerre est très profonde. Désolé, arrête de pleurer. Tu survivras même sans rien. Ok? Je t'en supplie, tonton, s'il te plaît, tonton. N'avez-vous pas peur de Dieu? Hein? Ça, c'est la méchanceté, oh. Mais Diego no sakiri, comment peux-tu parler à ton père de cette manière? Maman, tiens quoi? Je suis au courant de tout. Papa, ce n'est pas bien, oh. Papa, ce n'est pas juste. Que toute la population du royaume de Ouédougou entende ma voix. Hey. Que les gens m'entendent, oh. Papa. Ça, c'est de la sorcellerie, oh! Amaka, je vois que tu es devenue irrespectueuse à mon égard. Mais ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de toi plus tard. Kounma, Abiafel. Obiara! Papa? Tu m'as appelé? Sors-moi ces choses d'ici. Ok, tonton, sans problème. Tonton, je t'en supplie, tonton. Tonton, je t'en supplie, tonton. Va-t'en, Biko. Avance. Papa. Papa. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Papa, ce n'est pas juste. Mais Diego Numboro, comment parles-tu à ton père de cette manière? Occupe-toi de tes affaires. Et toi, tu vas regretter un jour ce que tu viens de faire là. Libère mon chemin. Papa, papa, tu as vu ce qu'elle a fait? Je vais lui manquer du respect dans cette maison. Si ça se passe encore, maman, parle-lui, parle-lui. Parce que la prochaine fois, si elle essaie encore, moi je vais la battre. Écoute quoi, Obiora. Calme-toi, oh. Si la joie existe, je ne la connais pas. La nature est éloignée de moi. Ma joie est mon bonheur. Et ne m'a laissé que la peine et le désarroi. Ojo, mon ami, la vie est faite des hauts et des bas. Tu n'as pas besoin de te tuer. Oui, tu n'as pas besoin d'aller les rejoindre. Sois forte comme tes parents l'étaient. Mais laissez-moi vous dire. Ce monde est plein de mal. Mal, as-tu dit? Il n'y a plus que des mots. Mais ce que nous devons, c'est faire preuve de gentillesse les uns envers les autres. C'est là le problème. La gentillesse est très loin de faire encore partie de ce monde. Maman. Papa. Oh, princesse, je pense qu'il faut que je m'en aille maintenant. Pourquoi? Pour rien. Il faut juste que je m'en aille. Père, mon ami Ojo a besoin de ton aide. S'il te plaît, viens à son aide. Sa position est critique. Que penses-tu que je devrais faire? Père, Ono, son oncle, a finalement pris tout ce que son défunt père a laissé. S'il te plaît, je t'en supplie, aide la fille d'Umba. Comment? Je t'ai posé cette question parce que
certaines de ces choses sont gardées par la tradition et la culture. Par exemple, le royaume Inuku. Si un homme meurt sans successeur, automatiquement son frère prend tout ce qu'il a laissé derrière lui. Mais père, qu'est-ce qui va arriver à la fille de Jonu? Je ne sais pas. Père, la tradition est entre tes mains. Tu peux changer cela. Oui. S'il te plaît, père. Mais père, tu voudrais qu'elle meure dans la misère. Que les dieux de nos ancêtres empêchent que cela arrive. Alors, fais-le. Père, je ne vais pas te faire une promesse, mais je voudrais comment parler avec Ono demain et voir comment trouver une solution. D'accord, père. Igwe. Ono. Oui, votre majesté. Tu sais très bien que je suis le Igwe de ce royaume. Et que nous avons une culture et des traditions. Il n'y a rien de tout ça que je ne sache pas. Mais ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Tu peux aller prendre tout ce que tu souhaites prendre. Bam! Mais en retour, tu dois laisser cette fille se marier. Igwe. Sauf votre respect, votre majesté. Notre royaume traverse actuellement de mauvais moments. Je sais. Nous devons plutôt nous concentrer à trouver des solutions à nos problèmes actuels. Oui. Et non, au lieu d'appliquer des, je dirais, coutumes et traditions qui sont déjà bien gérées. Voyons, c'est pas nécessaire. Hein, parce que les coutumes et les traditions s'occupent déjà de ce que nous sommes en train de dire ici. Oh non, vous. Igwe. J'ai parlé. Et il en est ainsi. Ah. Bien. Igwe. 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 Je peux partir maintenant. Ok. D'accord, bonne route. Oh non. Oh non, Wata. Oh non. C'est moi, Arosi. Oh non. Oh qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non, je t'ai salué. Ça, c'est si tu veux accepter. Si ça ne te dit rien, oh non, c'est ton problème. Oh non, je vais te poser une petite question. D'où sors-tu comme ça? Je te demande d'où tu sors, Oné Nemaya, Ono. Oh, tu ne veux pas parler. Écoute, Ono, laisse-moi te dire quelque chose. Tu es un être méchant, je le sais. Parce que, on dit qu'un crapaud ne se balade pas en pleine journée pour rien. C'est soit il poursuit quelque chose, alors quelque chose le poursuit. Ono. Ono, laisse-moi te dire quelque chose que tu comprendras. Si ce n'était pas parce que j'apprécie ta femme, parce qu'elle est une femme gentille. Oh non, j'aurais invoqué. Monsieur Tom, j'aurais invoqué la mort sur toi pour qu'elle se saisisse de toi. Parce que la mort te connaît. Elle connaît le genre de hambou que tu fais dans ce village. Tu comprends? Osant du Kibre, oh non, abandonne ta méchanceté là. Oh non, si tu ne veux pas changer et laisser ta méchanceté là, tu iras rejoindre tes ancêtres. Je t'assure. Voilà. Tu ne veux rien dire, Ono. Tu ne veux rien dire. Écoute, je t'ai dit ce que les dieux m'ont ordonné de te dire. Si tu veux, répands-toi. Si tu veux, reste bouche bée. Continue tes petits trucs là et continue de voiler les visages des gens. Ono, laisse-moi te dire, tu ne veux pas parler, Ono. Tu es un bon idiot. Ono, écoute, ton gabarit là ne te sert à rien. Je ne sais même pas pourquoi Dieu
a pris tout le poids qui revenait à 10 hommes et a donné ça à ta femme, à toi seul. Il aurait dû donner ça aux gens comme nous pour qu'on puisse en servir judicieusement. Oh non, je vais te poser une question. Qu'est-ce que ton beau, ta belle famille a dit quand tu es parti épouser ta femme? J'espère que c'était vraiment cher. Tu as payé une dot vraiment chère. Parce que tout ton corps là, si tu montes sur ta femme là pas une fois. Je ne sais même pas, ton corps là, tu es très gros. Je ne sais pas pourquoi tu as seulement eu deux enfants. Où sont les autres? Tu es supposé remplir une maison avec les enfants. Écoute, ton gros corps que tu portes là, si tu montes sur ta femme, je suis sûr que tu m'aimes même plus long que tout le monde. Parce que tu exagères avec ton poids là. Hein? Allô, c'est. Tu as osé me défier? Puisque tu me défies et tu as refusé de te taire, laisse-moi t'aider. Laisse-moi te la fermer pour de bon. Arrosé. C'est ça. Boum. Non. Petit garçon, soulage. Nadia. Ujumwa, tu me défies? Tu te bats pour avoir mes propres biens, moi? Uju. Oui, hein? Uju. Il est temps que tu rejoignes tes défunts parents. Pour qu'enfin je puisse récupérer ce qui me revient de droit. Ujumwa. C'est ça. Boum. Hein? Dans. Je leur ai parlé, je les ai avertis, mais ils ont envie de m'écouter. Il n'y a pas de problème.
C'est bon, Amaka, ne pleure plus, ça va aller. C'est bon, ça va aller, ne pleure plus. Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vais pas parler parce que tu es un bon visiteur. Toi, moi, tu es bon. Ah, attends, arrête de pleurer! Eh bien, ça! Eh bien, là! Où sont les anciens? Vous venez voir ce qui se passe dans la possession de nos rois ce matin. Oh non! Oude! Oude, tu es le tout premier! Oude, es-tu sûr que tu n'es pas responsable? Ou alors une responsabilité? Ou responsable? Ou réponse de ce décès? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah! Oude! Ah! Levez-toi! Ah! Oude! Oude! Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oude! Oude! Maman! Maman! Oh, Diego! Hey! Oh non, oh, qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est fini. Hey, oh, hey, oh, 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 on a fait, ça va aller. Les dieux sont là. Ngoa bien mia. Hey, en haut. Mais qu'est-ce qui se passe ici? En haut, tu as visité les méchants. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il a dit encore? Tu fais où tu exagères? Oh non, en haut, t'as rendu visite. Ne t'ai-je pas? Je t'ai dit non, non. Tu pensais qu'il blaguait quand je parlais. Oh non, laisse-moi te dire, en haut, n'a pas peur du gabarit, du gros corps. Tu penses que tu es géant. En haut, t'as vraiment travaillé. En fait, en haut, vient pour faire pire que ça. Adam, arrête de pleurer, coulez. Oh, Aloussi, c'était personne de ma concession. Aloussi, mais tchonou, et tu es ta bonne aya. Arrête les paraboles là. Parce que tu passes souvent chez Egoé et il parle souvent les paraboles. Tu penses que tu peux faire comme lui? Arrête de pleurer. Aloussi, ma chambre! Arrête de pleurer! Écoute, je t'ai entendu de très loin là-bas quand tu disais qu'il n'y a que ton père et toi qui êtes resté. Alors, laisse-moi te dire, il n'y a que toi qui es resté dans cette concession. Parce que le Aou que tu vois là vient pour chercher cet Ochi. Celui-ci, ton père-ci, il partira aussi bientôt. Merci, Ono va creuser ta tombe. C'est toi qui creuseras. Je te l'ai dit, Ono va creuser ta tombe. Ne fais pas sourire les gens avec ta taille là. Va creuser ça parce que tu partiras bientôt. Mais ce gars, je vais lui régler son compte. Qui parle? Tu vois cet idiot qu'on appelle Humnebe. Mais qui est Il est même venu ici, il s'appelle Humnebe. Il aime seulement partir là où les gens. Là où les gens agonisent. Parce qu'il aime pleurer, c'est pour ça qu'on l'appelle Nebe. Tu comprends? Oh non, laisse-moi te dire, je sais que tu ne pleures pas parce que ta femme t'a laissé. Tu pleures parce que le bomboro entre jambique de ta femme va beaucoup te manquer. C'est pour cette raison que tu as besoin de pleurer. Tu comprends? J'étais beaucoup vu à l'œuvre. On vient comme ça te rendre visite. Quelle raison? Pour ton gouverneur, cette maison appartient maintenant à On et non à toi, On. Tu comprends? Baga. Regarde, tu exhibes tes muscles. Tu vas aller prendre la machette, Ono. Ok, vas-y. Tu sauras vraiment qui est Ono. Ne tiens pas compte de lui. Je te l'ai dit, oui. C'est un ivrogne. Tu es encore chez moi. As-tu une maison?
Tu n'as pas de maison parce que on ouvre un grand maison dans cette maison. Ne parle pas dans ce maison. C'est pas dans de chez moi. Tu n'as pas de maison. On ouvre. Sors de cette conversation, je te dis. Va-t'en ici. On ouvre pas cette maison. Que tu le veuilles ou non. Ok, comme tu voudras. Odo. Odo. Tu pas où? Odo. Attends-moi là. Attends, j'arrive. Odo, calme-toi. Hey. Odo, où tu fais quoi? Odo. J'habite à ton gros corps là. Je ne veux même pas entrer chez toi. Tu es sûr que c'est toi qui as construit cette maison? On est où? Calme-toi. Calme-toi, le colère. Je t'ai dit ce que j'avais. Arousse, tu vas attendre ici. Va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici. Je suis sûr que tu connais. Mais pour qu'est-ce qu'il se passe? Hein? Vous calmez pas là-bas. Écoute, laisse-moi te dire. Je t'ai averti. La maison s'y appartient. Tout ça de la gala que tu fais. Laissez-moi régler le compte de cet homme. Cette concession appartient. On vient te rendre visite. Bientôt, mais c'est ta tête qui mangera. Quoi? Laissez-moi. Non, elle. Arrosez, va-t'en alors. Oh, il y a les coups. Avec tous ces problèmes que vous avez déjà. Nebe, laisse-moi te dire. Tu es Nebe, oh. Tu as de la chance que. Nebe, viens. Comme arrête. Nebe, toi, tu es un homme. Je pensais même que tu allais venir me manger. Je te promets que je vais te casser la tête. Calme-toi. Ça signifie quoi? Laisse-moi. Moi, j'ai pris ma parole. Pose cette matière. Tu n'as pas besoin d'arriver là. Pose cette machette, calme-toi. Pose cette machette. Je suis bien même quoi là-bas. Qui vient de me tuer, non? Tu entends, je te rappelle. Remets-moi ça. Si bien d'abord, mets-moi la machette. Dis-lui de partir d'ici alors. Qui part? Je ne veux plus le voir. Non. Je ne veux plus le voir. Va-t'en d'ici. Qui part? Va-t'en. Omar, non. Enfin, non. Je m'en vais même. Oh non, je m'en vais, mais on va venir te rendre. Hey, n'importe quoi. Regarde ton chat. Ta femme a souffert. Et t'as laissé avec ce chat. Obadji, Ono ou la sorcière. Ressaisis-toi, Ono. Toi, laisse-le. Si tu seras exposé, Badji. Tu seras exposé. Il est vrai qu'il n'y a point de consolation pour calmer celui qui a perdu un être cher. Mais je peux lire au travers de tes pensées la souffrance par laquelle tu passes maintenant. Mais laisse-moi te rappeler. La seule consolation qu'il y a, c'est que tu te consoles toi-même. Personne ne peut te consoler. Il n'y a que toi-même qui puisse te consoler. Je veux dire, essaie de réfléchir à ça. La vie et la mort sont toutes les deux mystérieuses. Tu comprends un peu ça? Igwe! Igwe Nokia! C'est encore quoi ça? Hey, Igwe les mains. Igwe. Etienne. Igwe les mains. Etienne, mon cœur, papa. Igwe. C'est quoi le problème? Igwe les mains. Parle, qu'est-ce qui ne va pas? Igwe. Igwe. Igwe Maduzeka est mort. Non, ça ne peut pas être possible. Igwe. La bête est en chemin pour le palais, Igwe. Oh non, tu t'entends ça? Igwe. Le mot me manque. Hey, mais c'est. Attends, j'espère que ça ne vient pas de ton imagination. Es-tu sûr? Je suis sûr. C'est vrai, Igwe. Appelle et s'est enfui. Hey! Igwe! Oh la la la! Hey! Je n'ai pas assez de mots pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Ujo, tu n'as pas besoin de me remercier. C'est mon obligation en tant que ton ami. Si je peux t'aider, je le ferai. Ma princesse, tu as très bon cœur. Tu as très bon cœur. Si la réincarnation existait, je t'assure que je souhaiterais être ton amie dans la nouvelle vie. Oh Jo, tu es très amusante. Ça me revient. Est-ce que tu peux m'accompagner dans mon royaume demain matin? Tu me le demandes? Oui. S'il te plaît, tu n'as pas besoin de le demander. Dis-moi plutôt quand iront. Je te le ferai savoir. D'accord, pas de problème. Je dois m'en aller. D'accord, merci. Ok, bye bye. Bye bye. Thank you.
Bonjour, mon roi. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi. S'il vous plaît, dites-le-moi. J'ai perdu mon bâton d'autorité. Quoi? Comment? Qui peut l'avoir volé? Je ne sais pas. Mais il n'y aura pas de temps pour les histoires. Parce que celui qui l'a fait doit avoir honte d'avoir commis un sacrilège. Et les conséquences seront plus que terribles. Igwe. Père, mère, qu'est-ce qu'il y a? Le bâton d'autorité de ton père a été volé. Comment? Ne t'inquiète pas, ma fille. J'ai déjà sermonné les anciens de ce royaume. Elles vont se rassurer que quiconque l'aurait pris, ils vont s'assurer que la personne soit trouvée. Je l'espère. Père, je suis prête pour le voyage du royaume de Oma. Tu fais donc un très bon voyage et tu te rassures que tu rentres avant 10 jours. Et aussi, passe mes salutations et celles de la famille royale à Ezetineje. Ok? D'accord, père. Tu peux partir. Igwe. Mais. Quiconque est coupable de cette offense doit être battu et envoyé dans la forêt maléfique. Même encore, Igwe. La personne devait être enterrée vivante. Pas nous, nous. Ah. Oui! Pas nous. Non, elle devait être enterrée vivante. Mais hein? Non. Notre tradition ne condamne pas une telle personne à la mort. Il est préférable que cette personne soit chassée dans la forêt maléfique. Hein? Au Bosumkong. C'est vrai. Écoutez-moi, la victime ne sera pas enterrée. Ou alors on n'aura pas une tombe dans ce royaume. J'ai parlé. Oui, quand même. Une pareille chose ne s'est jamais faite dans ce royaume. Ojoa, nous avons la permission d'Igwe de fouiller ta maison. Fouiller ma maison? Pour quelle raison? Je viens juste de rentrer du royaume de Mouadou avec la princesse. Ojoa, ce ne sont que des prétentions et un ordre venant du roi. Tu as caché quelque chose qui nous appartient. Ha! Caché? Qu'est-ce que je suis supposé avoir caché? Ok, vous pouvez fouiller la maison. Ojoa, qu'est-ce que c'est que ça? Ciel de nos ancêtres, comment est-ce que cette chose est arrivée chez moi? Non, je ne sais rien à propos de ça. C'est au roi que tu diras cela. Arrêtez-la. Avance. Je n'ai rien fait. Avance. Tu te tiens quoi là? Prenez-la. Attendez. Je ne suis coupable de rien. On y va.
Allez, dépêche-toi. Comment ça fait pour arriver chez moi? Je vous assure, je n'ai rien fait, je vous assure. Oh. Maman. Bien, en tant que le Igwe de ce royaume, je déclare par décret que Odumwa Odo, qui est tenu ici devant moi, soit envoyé dans la forêt maléfique et qu'elle y soit condamnée. Igwe, vous devez la condamner à mort. Nodo. Au lieu de cette forêt maléfique. Garde. Igwe. Amenez-la. Tonton, non, s'il te plaît, je dis, enlevez-la d'ici. Tonton, c'est tonton. Va-t'en. Amenez-la d'ici. Amenez-la d'ici. Allez la jeter là-bas. Amenez-la d'ici. La honte du royaume. Igwe. Ça, c'est une très mauvaise semence. Oui, Igwe. Igwe, vous aurez dû la condamner à mort. Owati wari wa me bulanebu. Magale mane cho gade mage. Ha! Ha! Igwe la chama la go. Allez, va demeurer là-bas. Annuler cette sentence que vous venez de prononcer sur cette fille. Elle est innocente. Igwe, notre Dieu, j'espère que vous m'écoutez bien. L'un de vos sujets au ticket du Igwe vient juste de commettre une abomination. Igwe a sacrifié une fille innocente. Regardez comment on la traite comme une... Parce que je sais que tu n'es pas une fille de ce royaume. Moi, c'est Ugé. Je viens du royaume d'Atum. Je vois. Mais comment as-tu fait pour connaître mon nom? Odoku est ma maison maternelle, de la famille de Otu. Otu? Oro? Tu veux dire Odori? Oui. Oh mon Dieu! Alors tu es venu visiter notre royaume? Pas vraiment. Ma communauté a été détruite par un groupe de guerriers du royaume d'Agugu. Et ma famille a été tuée. Et hey! Quand je suis arrivée ici, j'ai découvert que mon oncle Otonu est mort. Eh hey oh!
Quel désastre. Ndo. Ndo. Alors, où vas-tu aller maintenant? Étant donné que ton père et ta mère sont morts, y compris ta tante et ton oncle, alors où vas-tu aller? Je n'ai aucun endroit où aller. Je suis bloquée. Ok, ne t'inquiète pas. Nous pouvons aller chez moi. Hein? Hmm? Je vais parler à mon père. Ne t'inquiète pas. Hmm? Ne t'inquiète pas. Je vais lui parler. Oh, merci. Ne me remercie pas. Merci. Lève-toi. Lève-toi. Merci. Lève-toi. Ne me remercie pas. Je vais juste te dire. Alors, calme-toi. Oh, ça va, c'est bon, ok? Je suis en train d'aller à la rivière puiser de l'eau. Peut-être que tu pourras venir avec moi, comme ça on va remonter à la maison ensemble. Hmm? Ok? Ok, allons-y. Peux y aller? D'accord, d'accord. Tu as dit que c'est une orpheline. Oui, papa. Que ses deux parents étaient tués, tu as dit. Oui, papa. Ok. Et tu voudrais qu'elle reste avec nous? Oui, papa. Mmh. Juste pour quelque temps. Bon après-midi, Naï. Bon après-midi, ma fille. Ok. Ma fille m'a raconté ton histoire. Oui. Y a pas de problème. Elle a dit qu'elle voudrait que tu restes avec nous. Oui, papa. Comment est-ce que tu t'appelles encore là? Ok. Ça vient du royaume d'Atuma. Atuma. Du village voisin, papa. Ok. Ok, d'accord. C'est bon. C'est bien, j'ai compris. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. C'est d'accord. Ok. Ok, d'accord. Tu vas donc rester avec nous. Ah, merci papa, merci. Merci, de rien, merci beaucoup. De rien. Mais comment ta mère et ton frère sont-ils morts? Ma mère, mon frère, ou bien quoi? Ça a été un mystère. Ils revenaient du champ. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Mais ils sont morts. Ça fait pitié. Ça va. Et quelle a été la réaction de ton père? Mon père, Onuru. Il a accepté. Mais pourquoi me poses-tu ces questions? Tu sais, je suis juste un peu curieuse. C'est pourquoi. Juste la curiosité. Thank you.
daka. Awuru waya ji dongwe nyaka o. Awuru waya ji demu nyaku fe. Awuru waya ji jego fe. 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 Awuru ji demu nya. Écoute, si tu me fais tomber, je veux aussi te faire tomber. Appétit, quand tu grandis, tu es mangeable. Surtout que tu seras une très bonne nourriture dans les années à venir. Tu comprends? Je vois quoi là? C'est qui? C'est quoi? C'est chère inondation? Aro, si je te salue. Hein? Onye? Écoute, je n'ai pas peur de toi, oh. Tu me menaces avec une rivière. Tu penses que j'ai pas, je n'ai même pas peur de toi. Les gens d'hommes comme toi n'ont pas peur du mal. J'étais juste en train de passer. Eh ben, tu es en train de passer? Est-ce que c'est les gens que tu dois me laver avec ce genre d'eau? En passant, écoute, laisse-moi te dire, peu importe où tu te trouves. Tu penses que j'ai peur de toi? Je n'ai pas peur de toi, oh. Je ne peux jamais avoir peur de toi. Ok, en fait, tu pars où? Juste de passage. Hein? Tu ne fais que passer. Passer! Passer ma boisson. Oh, ta boisson? Oui, très importante. Je prendrai soin de ça. Tu t'occuperas de ma boisson. Viens remplir ma bouteille, oh. Parce que maintenant, là, tu as porté atteinte à ma ration. De toutes les rations, hein. Écoute, je ne peux pas. Tu parles même étant où? Tu ne fais que passer. Pour passer pour aller où? Tu passes pour aller où? Ma boisson! Où es-tu? Viens remplir ma bouteille maintenant, oh! Elle est déjà pleine. Hein? Ma bouteille. Yeah! Merci beaucoup, passagère. Passagère, écoute. À quelle heure passeras-tu demain? Que je vienne ici. Passagère! Passagère! J'ai ça pas. Aïe, une passagère est passée ici et a rempli ma bouteille avec du migraka. En fait, hein, si tu as le seigneur, viens verser ça sur moi et remplir encore ma bouteille. Salut Ono. Hey, Mazanjara. Ah. Hey, je venais justement comme ça chez toi. J'espère que tout va bien. Bien sûr. Mazanjara. Qu'est-ce qui ne va pas? Mazi, l'Iroko est tombé. Quel Iroko? Le Ezemo, le chef prêtre. Je l'ai vu coucher mort, pas loin d'ici. Ezemo? Oui, il est couché raide mort. Hey, ouais. Je sais ce qu'elle était tuée par où. Mazi, je m'en vais au palais reporter cela, Igwe. Hey, je vais te suivre. Tu viens avec moi? Oui, je vais te suivre. Le pire est arrivé, Igwe.
Oui, Igwe, le héros qui a été suivi, notre grand Jibia, a été affligé par une étrange rencontre. Affligé? Je n'arrive pas à comprendre. Donc tout ceci est vrai? Alors où allons-nous? Aucune idée, Igwe. Demandons tout ça au Dieu. Demandons tout au Dieu. Hey! C'est vrai, mais je ne suis pas sûr que le roi soit si stupide pour prendre une telle décision. Pitié, sincèrement parlant, hein, c'est pas tous les jugements qui sortent du palais qui sont forcément justes. Est-ce que tu me comprends là? Arrête de dire ça. Mon frère, c'est comme si tu as été envoûté par le regard de cette fille. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce genre de personnes, elles sont diaboliques. Ce sont des personnes très très méchantes. Masio Domodo, laisse-moi te poser une question très importante. Dis-moi, as-tu assez de preuves pour soutenir ce que tu viens d'avancer là? Orifi Jiraka, n'est-ce pas le point de vue des notables que tu soutiens aveuglément comme si tu avais complètement raison? Tu vois le visage de cette fille est tellement innocent. Écoute, cette opinion que tu as au sujet d'Oju, en aucune manière je ne peux être d'accord avec toi. Je vois, c'est juste parce que tu regardes son visage innocent. Tu es aveuglé, tu es aveuglé par le fait que cette fille. Bon après-midi à vous, Ancien. Bon après-midi, ma fille. Comment vas-tu? Oui, je vais bien. Ah, comment va ton père? Il va bien. D'accord. Bye bye. S'il te plaît, quand tu arrives à la maison, salue le monde. Ok, d'accord. Bye bye. Fais souvent très attention quand tu ouvres ta bouche là. Je te le dis. On y va. Allons. Moi, je t'ai dit que la petite fille là n'a rien fait. On l'accuse. Elle n'a rien fait. Je ne suis pas d'accord avec. C'est pas parce que c'est le point de vue de. Je suis sûr qu'ils ont raison. Ils ont raison. Non, ce n'est pas ça. Écoute, la majorité n'a pas toujours raison. Il faut que tu le saches. Igwe, tu as fait une grosse erreur. Tu aurais dû écouter ta fille. Cela signifie que j'ai détruit une fille innocente. Vous n'avez pas seulement condamné un être innocent. Vous avez condamné la choisie. C'est elle qui pouvait toucher le cœur de la bête. Quoi? Hey! Hein? Mais, il y avait des preuves. Ou alors, on lui a tendu un piège. Oh non, repense cette question. Ono, tu as dit des mensonges contre elle. Ono, dis au Igwe ce que tu as manigancé avec les gardes en volant le bâton de commandement. Il l'a caché dans la maison de Josso après avoir tué ses parents. Hey. Allô? Ono? Ono, donc c'est toi qui es derrière tout ça?
Onowo Dagogbe, parle. Onowo. Onowo. Igwe. Homme sage. Que devons-nous faire? Il est trop tard. Tu veux dire que ta mère était derrière tout ceci? Onowo Didi. Hey! Igwe, je suggère que nous envoyons quelques guerriers pour aller la chercher. Trop tard, j'ai dit. 21 vierges ou rien. Mais c'est assez. Assumons que les lieux soient disponibles. Le sang de personne n'aurait dû être versé. Votre Majesté, Ndiche, comment allons-nous avoir 21 vierges? 21? Mais je dis, ça c'est très facile. Ferme ta bouche! Ferme ta bouche! Peux-tu nous la fournir? Peux-tu? Tu n'es pas censé parler! Non, il a seulement demandé 21. Et notre Ibrahima! Ibrahima! Ono, que dois-je faire de toi? Vu toutes les atrocités que tu as commises dans ce royaume. Igwe. Tu restes mon Igwe. Et je suis toujours le nom de ce royaume. Ce n'est plus le cas. En fait, le chef du conseil de ce royaume. Ça, c'était avant. Igwe. À vos ordres, votre majesté. Et en fin de compte, tu vas être envoyé dans la forêt maléfique. Bam. Bam. C'est ça la traduction, c'est ça. Igwe. Igwe, vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis le Nohu de ce royaume. Onohu, comme je dis, tu vas être envoyé dans la forêt maléfique. Bon. Et j'ai parlé. Igwe. Laisse-moi. Hallelujah, Hallelujah. Who we serve is Lord. Hallelujah, Hallelujah. En tant que le nom de ce royaume, vous savez quelle est ma richesse, n'est-ce pas? Écoutez, me conduire dans la forêt maléfique n'est pas bénéfique pour vous. Pas du tout. Hein? Voyons les gardes. C'est cette opportunité que je vous donne de devenir riche. Ono, je ne te comprends pas. Vous connaissez tous cette grande parcelle de terrain qui se trouve derrière ma maison. Ah, c'est ce que vous connaissez, c'est celle-là qui se trouve au bord de la rivière. Vous pouvez tous les deux les prendre et les partager entre eux. Vous. Ono, tu sais que si le Igwe est au courant, tu seras tué. Mais qui le dira au Igwe? Ça sera entre nous trois ici. Hein? Je ne dirai rien. Et vous ne lui direz rien non plus. Alors, vous direz, Igwe, ce qui s'est passé. Baissez vos âmes là. Oh non, tu peux partir. Baissez vos âmes. Tu peux partir. Tu es parvenu. Je peux partir. Ne peux partir. Bien sûr. Ok. C'est bon, vas-y, vas-y. Vas-y. On est riche. Juste comme ça. Bah. Où vas-tu? Où est Ono? C'est quel genre de question comme ça? Ono est mort. Je te demande de répondre à ma question. Où est Ono? Va-t'en maintenant. Sors!
maintenant. Emeka! 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 J'ai vu un serpent qui me poursuivait. Ne t'inquiète pas, c'était juste un rêve, d'accord? Juste, allonge-toi, ça va aller. Ce n'était qu'un rêve, d'accord? On ne peut pas s'asseoir ici et laisser que cette monstrueuse bête nous dévore tous. Je suggère que nous envoyons des hommes forts. Les envoyer, Madazaka. Oh non, Bé. C'est pas à cause de la peur qu'on va refuser d'aller en guerre. Cherchons comment faire pour tirer vengeance de cette chose. Je propose qu'on envoie des guerriers dans le village de Omonato pour tirer vengeance pour nous. Adaka, tu comptes toujours verser du sang? Écoute, si vous voulez le faire, non? S'il vous plaît, mettez-moi en dehors de ça. Biko-nous. Ferme ta bouche si tu n'as rien à dire. Tu me demandes de me taire? Oui, je te demande de fermer ta bouche. Que je me teste? Ne parle pas. Est-ce parce que tu n'es pas affecté? Je ne suis pas. Oui. Je ne suis pas touché. Tu as une jeune fille, n'est-ce pas? Et je suis sûr qu'elle est vierge. Pourquoi n'es-tu pas le premier à nous la fournir? Amadjoa, on doit quoi pour nous? Vous n'êtes pas là pour vous chanter. Ah, son égard. Arrêtez. Comment peux-tu me demander d'apporter ma fille? Je ne vous ai pas convoqué ici. Pourquoi vous venez crier ici comme des femmes? Hein? Igwe, c'est lui qui a commencé. Je m'en fous de qui a commencé. Nous avons un problème sérieux entre les mains. Et nous sommes là à chercher des solutions afin d'en sortir depuis qu'on a attrapé mes guerriers voyants. Et un autre jeune, juste en quelques jours. Mais qu'est-ce qu'on doit leur faire? Allez, tais-toi là-bas et laisse le Igwe parler. Tais-toi et tais-toi. Monsieur, je pense que la situation est grave. Ah, Igwe! Igwe Nansa! Oya Nansa! Ah, Igwe! Igwe, gloire au Dieu, je vous ai trouvé ici aujourd'hui. Igwe! Anso, il y a un problème? Igwe, il y a un problème. Quel est le problème? Igwe, en fait. Igwe, j'essaie de. En fait, vous êtes sur le point de commettre une autre grave erreur. Igwe, ce que je peux vous conseiller maintenant, ce n'est pas verser plus de ça. Bien. S'il vous plaît. Ah, monsieur. Igwe. Tu peux voir que je suis pressé. Si cela peut attendre alors que ça tente. C'est d'accord, Igwe. Mais Igwe, regardez, écoutez. Igwe, ne dit pas que vous n'êtes pas averti. Oh. Je vous le dis maintenant en tant qu'avertissement. C'est pour vous. Igwe, ne commettez pas une autre grave erreur. Oh. Parce que Aurélie Guna, gara gara. Igwe, où est la lol? Regarde ton visage, ça brille même. Lol, Mouluka n'est bon, non. Écoutez-moi. Votre mari, le Igwe, est sur le point de commettre une autre grave erreur. Dites à la Lolo que c'est ce que j'ai dit. Ogumangala. Bon après-midi, maison. Nous te saluons. Voilà. Nous ne savons pas. Hey. Bienvenue. Thank you.
Peuple du royaume de Kouk, prenons. Yeah. Royaume de Kouk, prenons. Yeah. Comme vous pouvez le constater, nous sommes tous tenus ici, à la place du village, pour sélectionner les vierges qui embarqueront dans cette mission pour sauver ce royaume. Ojo. Qui est-ce? Qui est-ce et comment connais-tu mon nom? Ojo moi. Ojo. Maman. 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 Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te protéger. Notre peuple a conspiré contre moi. Et ils m'ont condamné à la mort. Je sais. Raison pour laquelle j'ai toujours été avec toi. Parce que la marche est longue et pénible. Merci, maman. Maman. Gamu y moye nangana daka. Ya mere, o wati wate maye na waribu. O wati ware wa mebu la mebu. Ake meso gademma. Ya. Ha! O wati ware wa mebu la mebu. O watu watu wate bula mebu. Ake meso gademma. Pourquoi ne pas être content quand j'ai mon mikraka? Une fois que mon mikraka dirige les choses comme présentement, là. Mikra, mikraka, mikra, mikra. C'est le seul remède de cette vie, le mikraka. Parce que si tu laisses que cette histoire te dirige, c'est fini pour toi. Obdadocha. Ha! L'un des sorciers est sur le point de passer. Il passe derrière moi, l'un de ses sorciers. Arrosé. Le diable. L'un de ses sorciers vient juste de passer comme ça. Arrosé. Je ne suis pas un sorcier. Fais attention à ce que tu dis. Tu n'es pas sorcier. D'accord, si tu dis que tu n'es pas sorcier, alors retire-toi du cercle de ces sorciers. Parce que aussi longtemps que je te verrai dans ce cercle, tu seras sorcier. Tu me comprends? Laisse-moi te dire, hein, ce que tu devrais savoir. Tu sais, on dit, lorsqu'une main est recouverte d'huile, elle finit par affecter l'autre main. C'est ce qui t'arrive présentement là. Donc, retire-toi de là. Je vais te conseiller maintenant. Ogo, Isocha. Je te conseille. Enlève à Kewe, non fait. Retire la main du singe de la mamie de sauce avant qu'elle ne se transforme en une main humaine. Ouais, pas qu'on a fait avant que tu ne deviennes fou. C'est le conseil que j'ai pour toi. Tu comprends? J'ai écouté ton conseil. Regarde-toi, Ababouk. C'est ton oncle que tu as là qui trompe tous ces gens-ci. Tu te sers de ton oncle là, Ababanji, pour diopathiser, soldétiser, méquatiser. J'ai écouté ton conseil. Merci. Je t'ai averti, respecte ton prochain. Respecte-toi. Regarde-toi, Ababou, quoi.
Cette ababandjin que tu portes, c'est ce que tu utiliseras pour faire un pas dans ce village. J'étais avec, ne dis pas que j'étais jamais averti, parce qu'un jour cette pluie finira par tomber sur toi. Et quand on goûte là-bas, nos dieux te puniront. Ils te puniront. Ils te puniront. Ha, Ombo. Laisse-moi, donne-moi le truc maintenant. Oh. Et essaye de remettre ta raison en place, parce que c'est comme si. Ah, Omawuwa, Abena, Kouka, Kouassou. Et comment sont-elles parties? Ok. La princesse est gravement malade. Ça fait pitié. Vraiment. Je vais aller m'occuper. Ah, ok. Moi, je vais à l'intérieur. Merci de m'avoir sauvé, maman. C'est dans mes obligations de te protéger.
Igwe, nous avons été attaqués sur notre chemin hier par une femme. Et jusqu'à présent, nous sommes toujours en train de nous battre avec cette même femme. Vous dites vous être fait attaquer sur votre chemin au palais hier. Quelle est cette femme qui a le courage, qui a l'audace d'attaquer les trois sages venant de l'Est dans un combat? Qui est cette femme? Votre pays, Igwe. La princesse? Adèze. Homme sage, vous nous rendez confus. De quelle Adèze êtes-vous en train de parler? La sœur de Nohou, qui l'a également tué. Abomination. Evo. Evo. Igwe. Guéni. Ok. Mettez ça sur moi. Que devons-nous faire ou avoir comme alternative? Parce que telles que sont les choses, nous ne pouvons pas accepter de faire couler plus de sang. Et aussi, vous avez demandé à ce qu'on sacrifie 21 vierges. Oui. Ou alors vous devez ramener l'élu. Est-elle encore en vie? Si oui, dites-le nous, j'enverrai tous mes guerriers à sa recherche immédiatement. Igwe, ça c'est pas un voyage qui doit être fait par des soldats, mais par ceux qui ont un cœur pur. Le voyage dans la forêt maléfique ne peut pas être effectué par des simples mortels, mais par les dieux. Mais par les dieux. Mais où sont passés tous ces gens? Même mes gardes ne sont pas là. Mon prince. Ma princesse. Où sont passés tous ces gens? Je ne sais pas. Où sont tes servantes? Je suis venue seule. Même mes gardes, je ne les vois pas. C'était un rêve. Un rêve? Ça va. Igwe, les dieux nous ont fait faveur de 6 vierges et il nous manque une. J'aurais vraiment souhaité que je sois ici. J'allais vraiment prendre la place de la dernière pour qu'on effectue ce voyage. Père. Oh, nous avons là
la dernière vie. La princesse? La princesse? La princesse? Princesse? Et dis-moi moi. Écoutez, sages hommes, vous êtes vraiment sages. Vous raisonnez encore. Princesse, vous allez sauver le trône. Les dieux vous ont choisi. Je vous assure, lorsque votre mère vous a accouché, je suis venu, je vous ai regardé, j'ai dit, vous êtes une libératrice. Maintenant, vous venez libérer notre trône. Notre Dieu, Igwe, pourquoi regardez-vous comme ça? Igwe, vous baissez votre tête et la resoulevez. Elle va en train de faire la coba. Igwe, arrêtez de faire cette tête. Princesse, vous êtes partie. Et vous allez nous revenir. Un morceau. Oh, désolé, en un morceau. Ah, où c'est? Ah, nos ancêtres. Je savais que vous alliez faire quelque chose de vraiment merveilleux. Notre cher Dieu, homme sage, vous n'avez pas tort. Pour être en train d'inaugurer cette princesse, vous êtes sage. La sagesse y est. Amaka. Ogé. Où étais-tu? Je te cherche depuis plusieurs jours. Hein? Tu m'as dit que tu partais uriner. Et tu as disparu juste comme ça. Pourquoi non? Je suis désolée. Je devais rentrer dans mon village pour savoir ce qui se passe. Alors tu retournes chez toi, bien? Mm-hmm. Ok. Je pensais que tu allais à la place du village pour la sélection. Ogi, comment as-tu fait pour être au courant de ça? J'ai juste deviné. Tu as juste deviné. Prends ceci. Ça te protégera. Utilise-le. C'est mon porte-bonheur. Ton porte-bonheur? Merci. Ok. On se voit plus tard. Ok. Ok. Où est-elle partie?
Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi cette bêtise? Laissez-la! Mais c'est quoi cette bêtise? Princesse, s'il te plaît, si elle ne veut pas partir, allons-nous-en. Je suis fatiguée. Princesse, allons-nous-en. S'il te plaît, allons-nous-en. Toi! Princesse, allons-nous-en. Toi! Toi! Ne me provoque pas! Toi! Ne me provoque toi. Pas! Toi! Les filles, venez, on va se reposer là. Je suis déjà fatiguée. Choma, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que quoi signifie? Pourquoi j'ai tué cette bouteille sur moi? Pourquoi? Désolée, je ne savais pas. Tu ne m'as pas vue. Désolée, ok, je suis désolée. Je ne t'en veux pas. Suis ta nourrice. Pourquoi veux-tu me blâmer? Suis ta nourrice. Pourquoi veux-tu me blâmer? Tu parles encore? Tu me réponds, non? Tu me cherches, non? Arrêtez! Arrêtez-moi ça! Arrêtez! Vous imaginez? Ça va, vous ciel, arrêtez vos bêtises! Calmez-vous, s'il vous plaît! Je n'accepte pas ça! Viens bagarrer! Va t'asseoir! Va t'asseoir! On n'est pas là pour ces bêtises. Princesse, c'est déjà de quoi? Je n'aime pas ça. Ma princesse, avertis là-haut. Avertis là-haut. Viens bagarre. Viens bagarre. Allez vous asseoir. J'ai pitié de toi. Tu ne peux rien faire. Est-ce que je t'ai...
Thank you.
Vous voyez, je vous connais, personne ne me croira. Quand elle va parler maintenant, on va dire, ah Lucie, tu es un ivrogne, tu as recommencé ton baladage là. C'est depuis 3 jours maintenant qu'ils ont envoyé les innocentes filles dans la forêt maléfique. Jusqu'à présent là, comme je vous parlais là, personne, même pas le moustique, même pas un capia, même pas au délai, même pas au quai, personne ne peut rien vous dire. Personne dans ce royaume ne peut se lever et vous dire qu'elles sont quelque part. Personne. Mais laissez-moi vous dire. Même ces 3 hommes sages qui sont venus dans notre royaume, en qui nous croyons, même ces hommes sages ne peuvent rien vous dire. Je crois que les dieux de notre royaume les ramèneront. Tu dis? Les dieux de notre royaume? Oui. Les dieux de notre royaume ne sommeillent pas. Ces gens sont toujours éveillés quand il y a un problème. Si quelque chose devrait arriver à ces jeunes filles, leur sang continuera à exterminer et suer tout le monde dans ce royaume. Mais tu es l'un des nôtres. Onya, moi l'un des nôtres. Je ressemble à l'un des nôtres. Laissez-moi vous dire, je vis peut-être dans ce royaume, mais je ne suis pas l'un des vôtres. Parce que je suis quelqu'un qui dit la vérité. Onya Sioku, c'est ce que je suis. Regarde bien mon visage, Okoracha. Regarde bien mon visage. Est-ce que je ressemble à l'un de ces notables? Tous ces méchants anciens que les dieux ont rejetés. Je suis un être humain très droit. Donc, quand tu généralises ces choses-là, ne me mets pas dedans. Parce que quand tu vois tous ces gens que tu vois là, il y a du Kuna général, Apatana Publi, Anaboyanao. Ce qui est dit généralement, quand ils viennent en public, ils commencent à se publier comme s'ils annonçaient des nouvelles. Homme sage, voici le 3e jour. Ça fait 3 jours que les filles ont laissé ce royaume. Et depuis ce temps, personne n'a de leurs nouvelles. Mon questionnement est... Êtes-vous sûr qu'elles reviendront à nous en vie? Igwe, vous faites trop d'inquiétudes. Si vous étiez à ma place, je suis sûr que vous ferez pareil. Je le devrais, parce qu'elles sont innocentes et elles ne devraient pas mourir. Igwe, ne remarquez-vous pas que le royaume de la lumière et des ténèbres est ici? Êtes-vous en train de suggérer que le royaume devrait attendre? Oui. Que le royaume attende. Combien de temps? Qu'ils attendent. Princesse, ce n'est pas Ojuwa, ma soeur, là-bas? J'ai peur. Comment tu sais que c'est elle? Oui. Comment saurons-nous que c'est vraiment Ojuwa? Est-elle encore en vie dans cette mauvaise forêt? Allons-y vers elle. Avançons un peu de plus près. Toi,
Oudjou, est-ce vraiment toi? Oudjou. Nous sommes venus pour te ramener à la maison. À la maison? Est-ce que j'ai une maison? Ici, c'est ma maison. Oudjou, s'il te plaît, ma soeur. Hmm? Oublie tout ce qui s'est passé. Hmm? Miko, le Higo et les notables ont besoin de toi maintenant plus que jamais. Hmm? S'il te plaît. Hmm? Oudjouma, le royaume d'Odogo ne peut être délivré que par toi. Pourquoi êtes-vous venu me rappeler mon passé? Ah, c'est la destinée. C'est la destinée. La destinée? La destinée? Où était la destinée quand j'ai été rejetée par mon propre peuple? Où était la destinée quand mes parents ont été tués? Où était la destinée? Où? Où est-ce qu'elle était? Comme je l'ai d'abord dit, le royaume a besoin de toi maintenant plus que jamais. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, Oudjou, laisse le passé derrière et retournons dans notre royaume. Et pour l'amour que tu as pour ton peuple, s'il te plaît, viens avec nous, Oudjou. S'il te plaît. Oudjou, s'il te plaît. S'il te plaît. Nous te supplions au nom des dieux de notre royaume. S'il te plaît. Oudjou, s'il te plaît, reviens avec nous, s'il te plaît. S'il te plaît. Je ne peux pas. Oui, tu le peux. Nous y sommes presque. Mmh. Bientôt tu vas rentrer. Écoute, j'ai cru que chez nous cuisinait quelque chose. Ne sois pas inquiet, bientôt ta nourriture sera prête. Hein? Mais moi j'ai faim, hein? Je veux pas que cette Ikeji soit toujours en train de cuisiner quand je serai de retour. Ne sois pas inquiet, travaille juste, tu vas manger. Tu me connais, moi j'aime la nourriture. La nourriture sera bientôt prête, travaille. Arrêtez ça, oh. Que se passe-t-il avec Ochedi? Je pensais qu'elle a dit qu'elle partait se mettre à l'aise. Hein? Même Beren, elle est partie en brousse. Et elle n'est pas encore rentrée. Ochedi! Ochedi, aide-moi! T'aider? Comment pouvais-je t'aider? Je ne peux arrêter d'uriner, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux même pas t'aider. J'ai même envie de te tuer ici, là, maintenant. Hein? Oui. Tu as dit quoi, non? Et je lui dirais que tu as été mangé par un animal dans la forêt. Ouchechi, Ouchechi, aide-moi. Ouchechi, t'aider. Mais va là-bas, Ouchechi, aide-moi. Hey!
J'arrive un moment. Désolée, ma princesse. Désolée, ma princesse. Désolée. Oh!
au nord où? Attends, hein? Ala Janja, Igwe est-il là? Igwe est-il? Igwe! Ah ah! Igwe, vous avez fait. Homme sage, je vous salue une fois de plus. Vous êtes vraiment, vraiment sage. En fait, vous êtes plus sage. Sagir. Igwe! Igwe, j'ai un rapport. En fait, c'est une nouvelle. Igwe est son retour. Je vous assure. Elles sont, je dis qu'elles sont de retour. Qui est de retour? Igwe, je demande à m'asseoir. Assieds-toi d'abord. Merci beaucoup, Igwe. Merci beaucoup, Igwe. Igwe, Igwe, elles sont là. Qui est entré? Les jeunes filles qui sont allées dans la forêt maléfique. Elles sont de retour. Igwe, il y a un problème. Igwe, c'est seulement Amaka et Oju que j'ai vu. Et qu'en est-il de ma fille? Igwe, moi, n'a pas photo. Igwe, comment pouvez-vous me demander qu'en est-il de ma fille? Igwe, est-ce que j'étais avec elle dans la forêt maléfique? J'ai seulement un homme sage. Audrey Doron, vous êtes vraiment merveilleux. Igwe, je les ai seulement vus à côté de la maison du Nouveau. Quand je les ai vus avec mes deux yeux nus, je me suis donc dit que je devais venir vous passer la nouvelle, le rapport de ce que j'ai vu. Mais il fallait poser des questions. Comment peux-tu me dire ce genre de choses? Est-ce qu'elle fait partie du mystère mystique du royaume d'Odougou? Ou alors est-ce que je ressemble à l'un de ces trois hommes? Ou alors est-ce que je suis l'un de ces trois hommes? Igwe, c'est ça, j'ai vu, je suis venu et j'ai dit. Igwe, Igwe, pourquoi êtes-vous si abattu? Igwe, Igwe, présentez-lui vos excuses. Igwe, pourquoi ouvrez-vous votre bouche comme si vous voulez respirer? Igwe, demandez-lui les excuses. Parce que lorsque vous la bannissez ici, là, je vous ai bien averti. Maintenant, elle est revenue. Gloire soit à notre Dieu. Ah, aussi. Igwe. Peuple du royaume d'Oko, je vous salue. Igwe. Au nom de cette famille royale, en tant que chef du conseil et ancien de ce royaume, je présente mes excuses à Odjumwa qui a été banni dans la forêt maléfique. S'il te plaît, accepte mes excuses. Merci. À la Grija, il faut tuer ma chance. Igwe, vous allez être quelqu'un d'autre. À la Grija, il faut tuer ta colère là. Sinon, tu vas te transformer en Badju. Mais à la Grija, oubliez pas ta colère là. Vous ne la connaissez pas. Tantina Désé, s'il te plaît, par amour pour moi, s'il te plaît, ne fais de mal à personne. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci, merci. Merci. Ah, Igwe. Encore, félicitations. Igwe, mes félicitations. Notre royaume a été libéré. Merci beaucoup, merci. Merci, merci. Merci. Igwe, Igwe, faut sourire. Je vous aurais donné mon micro si vous l'aviez seulement demandé. Hey.